300 seaux contenant les vivres de diverses natures et 4000 masques, c'est le don de l'association Tietier Mon Quartier du président et conseiller municipal Daniel Nganga, appelé affectueusement Yadani, aux personnes vivant avec un handicap et personnes du troisième âge des 8 sécu que compte sa circonscription électorale Tietier 1. En sus du don, les membres de la dite association ont fait le porte-à-porte, sensibilisant ainsi les populations sur le respect des gestes barrières et l'importance du port du masque, ceci afin de freiner la chaîne de propagation de cette pandémie. Ce geste, combien modeste, mais fait avec amour, est consécutif à l'appel au patriotisme lancé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Justement, c'est pour accompagner l'élan de solidarité nationale lancé par le président de la République. Et donc, nous, en tant qu'association Tchétché Mon Quartier de Yadani, avons pensé qu'on ne pouvait pas être en marge de ça. Et à cet effet, nous avons eu à faire un don de vivres dont on a eu à cibler les catégories des personnes. On a eu à prendre en compte les personnes vulnérables et les personnes vivant avec un handicap. Et à cet effet, il fallait que ce don de vivres se fasse accompagner par des mesures barrières. Donc on a mis aussi à la disposition de la population 4000 bavettes. Et cela, bien entendu, doit être accompagné avec une sensibilisation. Car en fait, aujourd'hui, on est tous censés savoir que c'est un virus qui est là, mais qui sévit. Les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents face à cette donation, surtout en cette période difficile. Merci à Tchétché Mon Quartier parce qu'il avait pensé à moi de me donner un peu petit cadeau à manger. Merci beaucoup pour ce don que je viens de recevoir de la part de Tchétché Mon Quartier. Et je remercie mieux vaut peu que rien. Et vraiment, une fois de plus, je veux que l'association aille pour vous. Vraiment, c'est toute une bénédiction que je vous donne. Je ne peux que me réjouir de l'acte salvatrice, tant d'amour et de charité que venait de faire tout à l'heure l'association Tchétché Mon Quartier. Et en ces temps difficiles que le Covid-19 est en train de sévir le monde tout entier. C'est pourquoi je voudrais remercier son président national et toute sa collaboration. Notons que l'une des priorités de l'association Tietier Mon Quartier est celle de venir en aide aux ménages pauvres et défavorisés.